الزلف لون على سجلت إدريس إدريس السجل ولا دنوين في ونون في ين في الحرمان وجد مس بروفيسور محمد أركون مس بروفيسور محمد أركون في ون غير مسنوين توس نكذي دونيس في خمنا تصينا ذي سن إلو ذك سكواس 28 سوريس ميمون جثيانيا إثمورة القبائل دكتور عناس لاترا est professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il a développé une discipline, l'islamologie appliquée, de la Wayan Wolfness. On va débattre autour de cette discipline. Il enseigne d'ailleurs dans diverses universités en Europe, notamment à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et à l'Institut Ismaili en Angleterre. Bien sûr, aux États-Unis, à l'université de Philadelphie, Princeton. Attaché du Soufa, il a publié beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'études sur le monde musulman notamment. En français, deux épîtres de Miskawaya en 1961, Aspect de la pensée islamique classique 63, L'humanisme arabe de Xugwes en 1970. Akayani a passé Iglan Inadisenik Khadam, beaucoup de publications. L'islam, religion et société en 1980. Religion et laïcité, une approche laïque de l'islam, 1989. Lecture du Coran, 1982. L'islam moral et politique, UNESCO, 1986. Et plus récemment, bien sûr, vous avez de Manhattan à Bagdad. Au-delà du bien et du mal, 2003, Combat pour l'humanisme en contexte islamique, Paris 2002, Penser l'islam aujourd'hui, 2002, pour une pensée maghrébine. Bien sûr, il y en a d'autres, publications en arabe, en néerlandais, en anglais, on ne peut pas citer tout, mais bon, voilà, ne serait-ce que brièvement. Tout d'abord, Ansofi Seik, Mas Mohamed Darkoun, bienvenue. Merci beaucoup. Peut-être j'ai oublié des choses. C'est pas la peine de tout dire aujourd'hui, parce qu'on est là pour essayer de parler aux téléspectateurs d'un sujet qui n'est pas très connu, bien que tous les Algériens se disent farouchement musulmans, y compris les Kabyles, bien sûr. Je dois attirer l'attention sur le fait que on peut être musulman, c'est-à-dire pratiquer la religion musulmane, faire ses prières, aller au pèlerinage, obéir aux droits, à la loi musulmane, la charia, et en même temps être ignorant de la pensée islamique. Parce que les musulmans réfléchissent aussi. Ils ne répètent pas seulement ce qu'on leur enseigne à la mosquée, au sujet des croyances, ou bien ce qu'on peut leur enseigner aussi dans un certain nombre d'instituts ou même de facultés, dans les départements ou dans les facultés qu'on appelle Kouliyat Sharia, c'est-à-dire les facultés où s'enseigne la Sharia. Alors, quand on dit la Sharia, on la confond avec le fiqh, par exemple. Parce que la sharia, ça n'est pas la même chose que le fiqh. Le fiqh, c'est la connaissance. La connaissance des textes sacrés, la capacité de comprendre les textes sacrés, de façon que le juriste puisse énoncer des normes juridiques en se servant de ces textes sacrés. Ce qui implique la connaissance de la grammaire arabe, la connaissance de la langue arabe, ce sont des connaissances précises, et le fiqh donc pointe sur des connaissances techniques qu'on peut appeler des connaissances scientifiques. Tandis que la sharia, elle réfère à une croyance. La croyance que Dieu a parlé, et que le Coran est la parole de Dieu, et que cette parole-là nous enseigne beaucoup de choses. Mais il faut la décrypter, il faut l'interpréter, il faut en faire l'exégèse. Alors vous voyez, là, ça fait une très grande différence. Mais couramment, en arabe, et en kabyle aussi, on dit sharia.
En guise d'introduction, alors, premier volet de l'émission, des souvenirs. En Algérie, et tout reste mémoire. Le Kanaka a un smichtard de cachouette, hein, ne serait-ce que des souvenirs. Avec Mouloud Mamri à Théorisme Mimoun, d'ailleurs qui est une étude, à la fois un article, un hommage à Mouloud Mamri, mais aussi des souvenirs qui remontent à très très loin, ah, bah, oui, des oui, années 50. Remonte, oui, oui, ça remonte aux années 50 et même 40, durant mon enfance et mon adolescence. J'ai grandi effectivement dans le village de Théorisme Mimoun, Benyani. Et Benyani, c'est cinq villages qui sont groupés sous le nom générique de Benyani. Et Taourit Mimoun est particulièrement connu parce que c'est le village où a été créée la première école primaire par les Français en 1880 ou 81, c'est-à-dire ça a été créé par Jules Ferry au moment où la Troisième République française lancer en France elle-même tout le programme de l'école laïque. La laïcisation de l'enseignement en France s'est fait à partir de la Troisième République. Alors, il faut savoir donc que le Taourit Mimoun a été traité en quelque sorte exactement sur le même pied d'égalité que tous les petits villages français qui ont reçu leur école primaire, qui ont eu leur école primaire, là, avec le nouveau système d'enseignement français, qui est un système d'enseignement laïque. Et c'est ce qui explique que à Taourit Mimoun ont été formés de nombreux instituteurs, de Benyani, Kabyle, qui sont allés faire des stages à l'école normale de Bouzaria à Alger, et ce sont les premiers instituteurs qui ont encadré l'enseignement primaire, qui était encore faible, bien sûr, dans les années 40 et 50, mais tout de même, c'est un moment de l'histoire de l'Algérie extrêmement important, et il est regrettable que l'expérience de Taourit Mimoun n'ait pas été faite dans de très nombreux villages en Algérie, parce que l'Algérie aurait découvert la modernité par l'école laïque. La France est entrée dans la modernité grâce à la pensée laïque et à l'école laïque qui, pendant toute la Troisième République, a couvert la totalité du territoire français par des écoles primaires, des écoles normales d'instituteurs et des écoles normales supérieures comme la rue d'Ulm. Et ça a été vraiment une très très grande œuvre de modernisation de la pensée et de la culture. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de Kabyles qui ont profité de cette possibilité d'aller à l'école. Je me souviens, mon père qui est né en 1890 et qui a vécu longtemps, il me parlait de monsieur et madame Verdi. C'est le nom du premier instituteur nommé à Taourit Mimoun. Il a été lui-même né en 1890 et il a été lui-même dans cette école primaire, et il me parlait de ça avec une mémoire enflammée. En fait, en guise de souvenir, alors en 1950, durant les années 50, vous avez votre agrégation de langue arabe. Et on vous a proposé, bien sûr, Nenek, il faut que vous nous animez une conférence sur l'Afghan, Kabyle, etc. Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'époque? Oui, c'est un souvenir d'ordre anthropologique, l'anthropologie de la Kabylie, c'est-à-dire les origines culturelles et les mécanismes sociaux qui font marcher l'ordre social et politique dans la Kabylie. La Kabylie a vécu de façon autonome. C'est même par rapport au régime colonial français, la Kabylie a été autonome, puisque par exemple à Benyani, nous n'avions pas du tout ni police, ni gendarmerie, ni perception de l'impôt, c'est-à-dire tous les attributs de l'État n'existaient pas. Et l'école que j'ai signalée tout à l'heure, bon, l'école, c'est l'école, c'est pour apprendre, ça n'est pas pour exercer le pouvoir. Donc, on vivait avec des régimes de type municipal. Le village est géré par l'assemblée du village
Et à 14 ans, ma mère m'obligeait, parce que mon père travaillait en Oranie, et j'étais le fils aîné, le seul garçon de la famille, elle m'obligeait à aller assister, j'étais tout gosse, assister à l'assemblée de village. Je me rappelle, il fallait se lever de bonne heure pour y aller, et Vitesse-Est, c'est-à-dire une place du village très connue, pour que j'écoute comment ils délibèrent. Ma mère, qui est analphabète, qui ne connaît ni le français ni l'arabe, qui ne connaît que le kabyle, mais qui a la mémoire justement kabyle, elle a intériorisé l'idée que l'enfant doit être socialisé auprès des plus âgés, et en particulier auprès des assemblées de village où l'on discute des affaires municipales. C'est une conscientisation de type, je l'ai compris après, parce que je disais à ma mère, mais moi je ne peux rien comprendre, qu'est-ce que je vais aller faire avec ces gens-là qui sont plus âgés que moi. Elle m'a dit textuellement, comme ça. Et ça m'a frappé. Et donc, cet épisode de la conférence, la première conférence que j'ai donnée d'ailleurs dans ma vie, parce que j'étais tout jeune, j'avais encore 19-20 ans, et je venais d'avoir la licence d'arabe à Alger, et Driss Mamri, le premier docteur kabyle, là aussi, il y a le problème de la santé, il n'y avait pas de médecin, je ne sais pas, 100 km à la ronde, a eu l'idée de créer un foyer, ce qu'on appelait un foyer rural pour la jeunesse, pour les jeunes, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils fassent des choses ensemble, etc. Et pour inaugurer ce foyer rural, au niveau de Ben Yeni, pas seulement pour le village, il m'a demandé de faire une conférence parce qu'il savait que j'avais déjà acquis des connaissances sur la charia, sur l'islam, sur le Coran, et aussi j'avais des connaissances un peu parce que j'avais lu des histoires de l'Algérie et de la Kabylie en particulier. J'avais donc des informations de type ethnographique, ethnologique au sujet de la Kabylie. Et il m'a demandé de faire une conférence, et j'ai choisi de faire une conférence sur la condition de la femme kabyle. Pour la situer par rapport à la femme musulmane régie par le droit musulman, alors que la femme kabyle est régie par les coutumes kabyles. Et j'ai fait cette conférence, je me rappelle, il y avait un monde, c'était la première fois, c'était inhabituel, ils sont venus d'Aït Lahsen, Aït Larvan, Aouni Ahmed, Sitten South, les villages qui forment, et ce n'est pas courant qu'ils viennent comme ça dans un autre village. Ils viennent quand il y a un mort, par exemple, une personnalité qui est morte pour Bachad Azin. Et là, c'était pour écouter une conférence de Mohamed Al-Koun, tout jeûné, tout. Et ça a fait un bruit considérable. Ah. Et le bruit le plus important, c'est que Selmat Mahamar, Lamine Taddas, c'est lui donc qui présidait. Le sage, c'est lui qui présidait Tajmaït, non ? N'tsassidi l'Ounas. Et il est venu vers moi le lendemain de la conférence, il levait son bâton contre moi, Ammis l'Ounas afwa arab. Comme ça, il s'adresse à moi en déclinant ma généalogie. Il ne m'a pas appelé Arkoun. C'est très typique, ça. Parce qu'il faut situer la personne dans le village et la situer dans sa généalogie. Après ? Oui, qui aime zin adhazar ilouman nathiyanni, il est zin adhazalou, n'tsayil la min taddaft. ملان لهذورتني ديني بنادم استقبيليت داك سلمي لقاتني ديني الى عرش ماشي ديكتشيني كتشيني سقاد واده سا اوسي لا دي لا كلاسيفيكاسيون دون لو فيلاج افكتيفمون ما فامي ابيت او با دو فيلاج سيل دو مامري او سومي دو فيلاج اثواده ذا ثوفلا فوالا ليتنولوجي سقاد واده سيتادير Effectivement, il y a une mémoire dans ma famille qui dit que
On a émigré de Constantine en Nordlovénène, l'Enaïa, Gassianien, parce que un de mes arrière-grand-père, c'était lointain, c'était au début peut-être du 19e siècle, ou même avant, il y a eu une bagarre entre les familles, donc pris du sang, etc. Il fallait quitter pour interrompre tout ça. C'est conservé dans la mémoire. Je l'ai reçu de la mémoire de mes tantes et de la mémoire de mon père qui m'ont raconté tout ça. Et effectivement, Dassel avait appliqué les règles normales d'exercice du pouvoir selon les statuts de chaque famille au sein du village, et il me ramenait à ma condition réelle à l'intérieur du village. Alors je finis, maintenant la dora fnidienne venait de Stromis, il lâche d'Adakil Mouloud et Gilakas Nidienne. C'est-à-dire son fils, qui était évidemment déjà professeur de lettres classiques, etc. Et maintenant la dora fnidienne Starav venait de Yetiania, d'Adakil Wounas et Gilakas Nidienne. D'Adakil Wounas, c'est son frère, qui était précepteur de Mohamed V au Maroc. Et qui, au Maroc, avait appris l'arabe, alors que nous ne connaissions pas l'arabe. Alors, voilà, ça c'est une histoire formidable. Parce qu'elle contient toutes les données du fonctionnement politique et culturel des villages kabyles jusqu'aux années 40 et début des années 50. Et tout ça oralement. Et tout ça oralement, absolument. Tout ça fonctionne oralement. Et c'est une mémoire, malheureusement, des faits comme ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans toute la Kabylie. Moi, j'ai eu la chance d'être éveillé à des problèmes d'ethnographie très tôt. Et c'est pour cela que j'ai pu capter ce moment-là. Je l'ai écrit, on peut le lire, parce que c'est un morceau à la fois d'autobiographie, puisque ça me concerne directement, mais aussi un morceau d'ethnologie de la Kabylie. C'est-à-dire comment fonctionne la société kabyle, selon quelles coutumes et selon quel type de culture. Elle fonctionne selon les règles de la culture orale qui sont tout à fait différentes des règles de la culture écrite. Tout cela, malheureusement, on ne le connaît pas chez nous, on ne l'enseigne pas, malgré Donc, les efforts que certains ont faits pour essayer d'introduire un enseignement de l'anthropologie, non seulement en Algérie, mais dans l'ensemble du Maghreb. Et sur ça aussi, j'ai écrit pas mal, justement, comment déchiffrer ce que j'appelle l'espace maghrébin. Je ne dis pas le Maghreb tout court, parce que le terme espace ouvre les choses. Il ne les délimite pas dès le départ, parce qu'il faut se poser des questions d'ordre ethnologique et ensuite d'ordre anthropologique, parce que c'est pas la même chose, l'anthropologie et l'ethnologie, pour voir qu'est-ce qui s'est passé historiquement depuis le temps bien avant les Romains, la première population qui a habité ce grand espace qui s'étend de Benghazi en Libye jusqu'au Maroc et de la Méditerranée jusqu'au Niger. C'est un immense, c'est presque un continent en soi tout seul. Et cet espace-là était habité par une ethnie que l'on a appelée des Berbères, parce que les Romains, enfin on connaît l'histoire, ce sont les Romains qui ont donné le nom de Berbères à cette ethnie, qui est extrêmement diverse, parce que les gens, les tribus se sont diversifiées, du Maroc jusqu'à la Libye, et ils ont parlé la même langue, ce qu'on appelle le berbère, tamazir. Nous l'appelons aujourd'hui tamazir, c'est difficile de faire passer le mot, parce qu'il y a tellement longtemps que Ibn Khaldoun a écrit son livre d'histoire, et il l'a intitulé « Kitab al-Ibar fi tarikh al-barbar », donc les Arabes. Ibn Khaldoun est un grand témoin, et son livre est un grand livre. Il l'intitule « Al-Barbar », c'est-à-dire c'était le mot utilisé par les Arabes, qui n'étaient pas entrés, bien sûr, dans la connaissance de cet espace anthropologique et de cet espace ethnologique, et qui n'en connaissaient
que ce que l'on pouvait observer comme ça extérieurement. On voyait bien qu'il y avait des gens qui parlaient une langue que les arabophones ne comprenaient pas. Alors, si vous me permettez, je reviens à une petite chose, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, donc vous avez en quelque sorte en 1950, quand vous avez donné votre conférence, la conférence Nechmlaken, transgressé entre guillemets le code de déontologie kabyle, ça oui, Israélite. Oui. Et donc, Moulay Selman a bien compris ces choses. Oui, j'ai transgressé les règles de la hiérarchie de la parole. Parce que la parole est un acte de pouvoir. C'est pour cela qu'il n'admettait pas que quelqu'un qui n'était pas légitimé ou qui n'avait aucun titre pour prendre la parole, c'est-à-dire exercer une forme de pouvoir devant le public. La parole dans la culture orale, c'est un acte de pouvoir. Parce qu'on dit des choses, et ces choses-là sont entendues, et elles doivent être insérées dans la mémoire collective telle qu'elle fonctionne. Et cette mémoire collective est parfaitement ordonnée. Et si on déplace quelque chose dans cette mémoire collective, par exemple, quand j'ai essayé d'expliquer les différences entre nos coutumes pour le mariage, par exemple, le fait que nos femmes n'héritent pas du tout, alors que dans le droit musulman, bien que les femmes aient un statut inférieur par rapport à aujourd'hui, le droit musulman donne une part d'héritage aux femmes, la moitié de la part du mal. Mais il y a une explication. Il ne pouvait pas comprendre ces différences. Il vivait naturellement dans le cadre des coutumes parce que l'islam, justement, était une inconnue totale du point de vue de l'histoire. Comment, d'où vient cette religion, comment elle a été formée, quelles sont les œuvres de pensée, de théologie, de droit, d'exégèse, etc. Quelques-uns qui sont allés dans des petites zaouïas ont pu entendre parler de choses extrêmement élémentaires, mais qui n'ont rien à voir du tout avec ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qu'on connaît l'histoire de la pensée islamique. C'est quelque chose de très vaste et de très complexe. Mais en fait, qu'en est-il de la place de la femme à l'époque? C'est-à-dire, elle n'est pas vraiment véritablement dominée, marginalisée. Dans la mesure, justement, où la charia ne s'appliquait pas, par exemple, le voile, pour toutes les femmes kabyles, la question du voile ne s'est jamais posée. Parce que le droit musulman n'a jamais été appliqué. Heureusement, peut-être. Non, bon, je suis historien. Parce qu'on ne va pas déborder sur la politique. Ça, c'est une règle. Moi, je suis historien. Je dis les choses telles qu'elles se sont passées. Et il faut savoir comment les choses se sont passées pour que l'on comprenne, par exemple, le caractère arbitraire de la place que l'on donne soudain au voile comme une sorte d'obligation absolue, divine, venant de Dieu lui-même pour que les femmes portent le voile. Pour quelqu'un qui a grandi dans la Kabylie jusqu'aux années 60, même quelques années après l'indépendance, ça n'est pas venu tout de suite. Le voile, c'est un phénomène qui a été créé politiquement, pour des raisons politiques et pour des raisons de lutte politique pour le pouvoir, précisément. Donc c'est le cas ici en France? Ça n'a rien à voir avec... Mais bien entendu. Bon. Et en France, le voile joue toujours ce rôle de signe. C'est un signe complexe, parce qu'on se sert du fait que c'est lié à la religion, donc on veut en faire un signe religieux pour qu'il ait un grand impact sur l'opinion publique, parce que la religion, on la respecte par définition, on n'a rien à dire contre la religion, surtout dans un pays laïque, la pensée laïque est... C'est une pensée extrêmement tolérante pour toutes les religions, elle légalise toutes les religions, elle n'entre pas dans les discussions entre les religions, et donc elle est obligée de rester neutre. Dès qu'on dit c'est religieux, c'est fini, on se retire du débat. Mais en réalité, c'est pour couvrir quelque chose de fondamentalement politique. Alors, si je reviens à une petite chose, alors concernant l'héritage dans la société kabyle, oui. L'héritage de la femme, donc il y a une explication quand même. Bien sûr qu'il y a une explication. Alors, malheureusement, là, c'est les difficultés de la mémoire orale.
Bon, ce que l'on peut dire, c'est fondé sur des témoignages oraux, mais la chose qui se répète, c'est que au temps de l'occupation turque, il y avait sans doute des mariages de femmes kabyles avec des étrangers à la Kabylie. Et donc, quelqu'un qui se marie avec une femme kabyle, si la femme kabyle hérite, il y a des étrangers qui vont venir prendre pied dans les parcelles de terre que possède le pauvre kabyle et dont, dont vivaient les familles kabyles. Une petite oliveraie, quelques figuiers, un petit verger, un petit lopin pour semer de l'orge ou du blé. Et on va le partager en 4 ou en 5. Si vous avez 4 ou 5 filles, et qu'est-ce qui va en rester? Alors, la vie n'est pas possible. Mmh. Il faut tout de suite introduire le paramètre de la survie économique d'une région qui vit en autarcie. Et c'était? Et donc, pour éviter ce démembrement des petites propriétés, car ce sont de petites propriétés, nous sommes dans la montagne, les champs cultivables ne sont pas très, très étendus, pour éviter ce morcellement, ça c'est dans toutes les paysanneries, d'ailleurs ça n'est pas propre, mais chez les montagnards c'est encore pire, parce que la terre cultivable est très réduite. Et donc on a dit, ça n'est pas possible de laisser la terre aller ainsi, et on a exéré les femmes, mais en revanche, les femmes sont toujours à la charge du père et des frères. Au cas, par exemple, où une femme divorce, le père, ou s'il est décédé, les frères, doivent immédiatement recueillir la sœur, la nourrir, le subvenir à tous ses besoins. Si on ne le fait pas, c'est le déshonneur, car la sanction, c'est le déshonneur, c'est-à-dire la mise à l'écart, l'excommunication par le village. Et faire des souffrances. Oui, oui, absolument. Mmh. Donc, il y a des règles qui fonctionnaient, qui assuraient effectivement le self-control, l'auto-contrôle des gens pour ne pas justement sortir de la solidarité qui fait que les gens peuvent vivre en solidarité dans le thiwizim, parce que thimshrot, ce sont des actes collectifs du village, parce que tout le monde, la monnaie circulait peu, on avait peu de monnaie, il y avait du troc. Jusqu'aux années 40, moi j'ai assisté à la fin des années 40, des Arabes qui venaient de la plaine pour vendre du blé et on leur donnait des figues. Pas d'argent. Eh oui, à la fin des années 40, c'est-à-dire quand même, c'est pas très loin, enfin c'est loin, mais ça a duré longtemps cette histoire. Mais une chose, comment explique-t-on l'absence de la femme kabyle dans Fejmahtedda, l'assemblée du village? On dit que la société kabyle est laïque et démocrate. Oui. Mais en même temps, on ne trouve pas la femme. Parce que du point de vue ethnologique, la Kabylie, c'est un régime patriarcal et non pas matriarcal. Parce que dans les sociétés anciennes, il y a le matriarcat et le patriarcat. Chez les Touaregs, il y a le matriarcat. Les femmes interviennent dans les affaires publiques. Dans le Nord, en général, les populations du Nord, c'est le patriarcat qui prédomine, au Maroc aussi, en Tunisie aussi, et Jbel Nafoussa, où il reste encore quelques berbères, témoins de cela. Donc ça dépend du régime auquel obéit la société berbère à laquelle on a affaire. Et dans la société berbère, on voit une diversité. Par exemple, les Mozabites ont évolué différemment parce qu'ils ont un parcours historique un peu différent, puisque ce sont des Berbères qui ont été touchés par le pouvoir établi par les Banu Rustam à Tahert, l'actuel Tiaret. Et donc, ils ont été touchés très tôt par un islam ibadite. Voilà pourquoi les Mozabites sont touchés plus que les Kabyles,
par un islam ancien, l'islam ancien, qu'on appelle l'islam kharijite, d'où la conversion des mozabites à cette école-là. Mais en même temps, les mozabites sont restés extrêmement fidèles à tous les codes culturels et coutumiers berbères. Gwayegi, yani zewal desmishtiraf ant s'tagid redake ginid yani gius, c'est une étude d'une avarice avec Mouloud Mamri et Théoris Mimoun. Un humanisme maghrébin. La leçon de Théoris Mimoun mérite ainsi d'être méditée, etc. À la fin, un humanisme maghrébin. Oui, non, je parle d'un humanisme maghrébin à construire. Il ne faut pas s'imaginer que l'on peut comme ça utiliser le terme humaniste, humanisme, et l'appliquer d'emblée à telle ou telle société. L'humanisme, c'est un projet, c'est une volonté. Et pour cela, il faut des révolutions culturelles, pas seulement en Kabylie, mais dans tout le Maghreb, et dans toutes les sociétés arabes, et je dirais dans toutes les sociétés musulmanes. J'ai un livre que j'ai publié qui s'appelle « L'humanisme arabe au Xe siècle ». Xe, ça fait 10 siècles. Et cette page d'histoire a été écrite, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a des penseurs, il y a une culture, il y a un mode d'enseignement où la philosophie était enseignée dans les écoles, et il y avait par conséquent un grand mouvement intellectuel et culturel dans les grandes villes, les grands centres urbains de comme Bagdad, comme Shiraz, comme Isfahan, comme l'actuel Téhéran, qui s'appelait Ray, dans l'Irak et l'Iran, ce qui formait une même région politique, au Xe siècle. Mais ça a complètement disparu à partir du XIIe siècle. XIIe siècle. Quelles sont les raisons? C'est-à-dire que c'est une page écrite, elle est flamboyante, mais elle est précaire. On ne l'a pas laissé vivre. Et justement, c'est pour cela que j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Combat pour l'humanisme en contexte islamique ». Contexte islamique au pluriel, pour englober tous les pays musulmans, et pas seulement le Maghreb. Aujourd'hui, au Maghreb, l'idée humaniste ne hante pas, même les intellectuels. Hein. Beaucoup d'intellectuels ne pensent pas du tout à l'idée même humaniste, pour savoir ce que c'est et essayer de l'introduire dans l'enseignement, de l'introduire dans la pratique culturelle, dans la vie culturelle du pays. L'attitude humaniste requiert des ouvertures exceptionnelles, des ouvertures intellectuelles exceptionnelles, non seulement sur sa propre culture, dans sa propre logosphère, c'est-à-dire la langue, la langue que l'on parle, la langue arabe, par exemple. Il s'agit pas de... Pourquoi la page humaniste au Xe siècle a été écrite? Parce que l'arabe était ouvert en tant que langue, était ouvert aux traductions du grec à l'arabe, du syriaque à l'arabe. Et donc, les arabophones de ce temps-là pouvaient lire des œuvres qui venaient d'ailleurs. Ils ne lisaient pas exclusivement le Coran. Et déjà, s'est engagée la guerre, justement, mais enfin la guerre, la polémique, mais enfin la compétition sociale. Ce n'est pas une guerre à mort ouverte, mais c'est la rivalité. Et disons deux idéologies, le ulum diniya, le ulum al-aqliya, c'est-à-dire l'opposition, justement, entre les connaissances fondées sur la philosophie comme attitude critique intellectuelle et les connaissances fondées sur la tradition, c'est-à-dire la transmission orale des savoirs, à partir du Coran et de la tradition prophétique. Et il y a eu une séparation entre les deux, dès le 9e, 10e siècle. Et cette séparation s'est poursuivie, et la bataille, finalement, ce sont les fondamentalistes qui l'ont gagnée. Et oui, aujourd'hui, si le fondamentalisme est devenu si fort et si répandu,
c'est parce que, effectivement, le champ intellectuel dans la pensée arabe, c'est-à-dire d'expression arabe, pas les Arabes comme ethnie, le champ intellectuel s'est rétréci depuis le XIIe, XIIIe siècle par rapport à ce qu'il a été en tant que champ intellectuel du IXe au XIIe siècle. Voilà ce qui s'est passé. Et beaucoup d'Algériens ne le savent pas. Moi, je m'adresse là à tous les Algériens, à tous les musulmans, à tous les Arabes. Mmh. Ce n'est pas seulement aux Kabyles. Et les Kabyles devraient d'ailleurs recevoir cette leçon, parce que je sais que les Kabyles, je le comprends, je suis Kabyle moi-même. Mais l'attitude humaniste, justement, ne privilégie pas absolument ce qui lui appartient en propre. Bien sûr, elle donne de la valeur à ce qui lui appartient. Elle parle avec honneur et fierté de ce qui lui appartient. Mais elle ne s'enferme pas dans ce qui lui appartient. Si elle s'enferme, il n'y a pas d'humanisme. Et c'est donc, les Kabyles, par exemple, doivent étudier la pensée arabe et parler de l'islam, non pas dans les termes fondamentalistes dans lesquels ils sont en train de s'enliser, mais en parler dans des termes scientifiques, pour retourner à un moment de l'histoire de la langue arabe, de la pensée arabe, qui était un moment humaniste, c'est-à-dire humaniste, c'était un moment d'ouverture. Mmh. Or, aujourd'hui, on enseigne l'islamisation de la modernité, c'est-à-dire obliger la modernité à recevoir l'islam et à fonctionner avec les principes de l'islam et de la charia. C'est vraiment de la rêverie qui va à l'encontre de tout ce que l'histoire peut nous enseigner. Professeur Mohamed Alkoun, vraiment, vous avez développé une discipline, l'islamologie appliquée. Oui, et ben justement. Qu'est-ce que c'est que cette... Oui, et ben l'islamologie discipline. Appliquée, c'est ça. La première fois où l'idée m'est venue de faire ça, c'était au séminaire de la pensée islamique qui se tenait chaque année en Algérie, vous le savez, depuis 1969 jusqu'en 90-92, quand la guerre civile, hélas, a commencé. Ouais. Donc c'est devenu une institution et j'y allais chaque année. Je suivais ça chaque année. Et c'était en 74, je crois, ou 73, je ne me rappelle plus l'année, c'était à Tlemcen. Et cette année-là, on avait discuté justement de beaucoup de choses qui concernaient la biographie de Mohammed, la sira du prophète, le Coran, enfin les études islamiques justement. Et j'ai vu les débordements d'ignorance qui étaient présentés comme la science suprême. Et c'était l'ignorance absolue en ce qui concerne l'islam lui-même, avec tous les ulama qui étaient invités. Alors je me suis dit, à quoi sert d'étudier l'islam d'une manière scientifique à la Sorbonne, à Berlin, à Oxford? Bah, je dis à Berlin, Oxford, etc., ou Harvard ou Princeton, parce que ce sont des universités qui ont bénéficié de l'évolution de la discipline historique. L'histoire, comment on écrit l'histoire? Tandis qu'à Al-Azhar, on n'enseigne pas cette discipline de critique de l'histoire. Et donc, c'est très grave. C'est une séparation qui date depuis longtemps. Or, voici une Algérie qui vient d'être indépendante. Depuis quelques années. Et qui s'engouffre dans une ligne mythologique, idéologique, au sujet d'une religion, qui par ailleurs se présente comme la religion vraie qui dit la vérité à tous les hommes de la terre, et qui s'en empare avec une ignorance totale des exigences élémentaires de la critique historique. Voilà ce qui s'est passé. Mmh. Alors j'ai dit, il faut travailler sur cette ignorance. Entrer dedans, c'est-à-dire dans la société qui produit ce phénomène, qui vit avec ce phénomène nouveau, c'est en tant que sociologue et anthropologue que je dis, il faut travailler dans cette situation-là et prendre en charge les conditions historiques, politiques, qui ont amené les Algériens à fonctionner, à faire fonctionner leur esprit
et leur connaissance de cette manière qui va à l'encontre de la rationalité. C'est ça l'islamologie appliquée. C'est le refus de voir une société s'embarquer dans la mythologie totale, se détacher de la réalité du monde, se détacher de la réalité même de l'esprit, du fonctionnement de la raison elle-même. C'est pour cela que j'ai parlé de critique de la raison islamique. Comme je pourrais dire critique de la raison kabyle, s'il y en a une. Pour l'instant, il y en a... Pour l'instant, si, il y a toujours une forme de la raison qui fonctionne. La forme de la raison qui fonctionne dans mon village, dont nous avons parlé, il y avait une forme de rationalité. Il y a toujours une raison, un degré de raison qui fonctionne dans une société. Comment peut-on expliquer l'hostilité de la Kabylie, c'est-à-dire la Kabylie est hostile à l'intégrisme islamiste, notamment durant les années 90, on a vu qu'il y a beaucoup plus d'intégristes en dehors de la Kabylie qu'en Kabylie. Est-ce que c'est Tsarveili qui est là à la base, cette raison? Il y a quand même une mémoire collective kabyle. La notion de mémoire collective est une notion anthropologique très importante. Dans chaque société, il y a plusieurs mémoires collectives. Justement, en prenant l'exemple de notre Benyeni, par exemple, je me souviens très bien, là encore, qu'il y a une mémoire propre à Itlash, une autre propre à Tlarwa, à Thawlet Mimoun, à Gouni Ahmed, Sand South, Thawlet Al-Hajjaj, parce qu'il y avait peu de contacts entre ces villages qui appartiennent pourtant à une même, une sorte de petite confédération de ces villages. On se voyait, bien sûr, on avait des relations, il y avait des mariages, mais quand même, je me souviens là aussi, j'étais vraiment gosse, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, mais le souvenir m'en est resté, Thawlet Mimoun, Thawlet Al-Hajjaj, Nouron Thalaboumsid. Thalaboumsid, elle est à égale distance de Thawlet Al-Hajjaj et Thawlet Mimoun. Évidemment, c'est un point d'eau. Eh bien, il y avait les fusils qui étaient sortis. Oui. Et il a fallu que les médiateurs, les marabouts et tout ça, s'interposent pour essayer d'atteindre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'État n'existait pas. L'État français n'existait pas. Les choses se réglaient exactement comme elles se sont réglées de tout temps. Même sous les Ottomans, c'était la même chose. D'ailleurs, d'une façon générale, l'intérieur du pays, en Algérie, n'a jamais connu de pouvoir central de façon continue. Les pouvoirs centraux, comme à Bjaïa, comme à Tlemcen, qui se sont constitués, comme Alger, ce sont des pouvoirs précaires, qui durent un certain temps, et qui d'ailleurs sont dominés soit par les dynasties marocaines, soit par les dynasties tunisiennes, soit par Istanbul lui-même. Pendant des siècles, on était sous la... Qu'est-ce qu'on va faire d'Algérie avec Istanbul? C'est un pouvoir étranger. C'est pas parce qu'ils étaient musulmans que ce n'est pas un pouvoir étranger. Donc là, il y a des mémoires collectives qui ont vécu ensemble, qui ont des souvenirs propres, des morts qui leur parlent, c'est-à-dire qui ont un lien avec eux, et aussi un lexique qui leur est propre. Ils ont un terroir dans lequel ils ont grandi. La question du terroir est extrêmement importante. Et donc un sentiment profond d'identité, qui ne tient pas seulement à la langue. C'est un sentiment affectif très large. Et moi-même, encore une fois, j'ai conservé de cela des souvenirs tellement forts et tellement précis que je réfère spontanément à cette mémoire. Or, cette mémoire, brutalement, après les indépendances, on l'a absolument ignorée. Et on est passé à une conscience idéologique. Il y a différence entre conscience et mémoire.
Parce que la mémoire vit de l'affectivité. La conscience vit de visions idéologiques, abstraites, qui viennent d'un centre politique et qui sont opérées à partir d'un centre politique. Et donc, qui ne touchent pas la vie affective et même va perturber la vie affective, puisqu'elles apportent une organisation politique qui vient de l'extérieur et qui n'intègre en rien toute cette partie affective de chaque sujet qui participe à la mémoire collective. C'est là que s'enracine le mal-vivre, disons. Ce n'est pas qu'ils sont contre les Kabyles, comme tous les Algériens. D'ailleurs, ils étaient nationalistes, ils ont adhéré à l'idée nationaliste, ils veulent être indépendants. Ils veulent la nation algérienne, au même titre que tous les autres. Mais il y avait nécessité à gérer politiquement les mémoires collectives de façon à les faire venir à une nation algérienne concrète qui ne peut prendre existence qu'avec cette marche convergente. Et une marche convergente qui ne peut avoir lieu qu'en utilisant les moyens éducatifs adéquats. Donc l'histoire de toutes les régions à travers l'histoire restituée, et notamment aux élèves à partir des classes élémentaires, restituer les réalités locales. Pas pour faire du régionalisme ou pour casser la construction nationale, mais justement, pour la rendre possible. Mais justement, le problème, c'est l'installation en quelque sorte, ou bien c'est l'État-nation arabo-islamique qui fait défaut, c'est-à-dire qui... Mais ça, c'est une grosse question. On ne peut pas l'aborder. Ah oui, ça, c'est une grosse question. Pour ces choses-là, il faut le dire aux téléspectateurs. Que ça, c'est compliqué. Si cette télévision veut faire un travail vraiment sérieux, il faut multiplier des émissions éducatives. Du genre ? En prenant du temps, du genre, traiter justement de la notion d'État en Algérie, l'histoire de l'État en Algérie, l'histoire de l'islam comme religion, l'histoire, pas les croyances, pas les idéologies, les différentes écoles de pensée islamique, les pensées théologiques, de pensée philosophique, de pensée linguistique, de pensée exégétique, de pensée juridique, car les juristes ont construit des écoles. Ils ne sont pas tous d'accord pour dire ça, c'est la charia et il n'y en a pas d'autre. Et pour les éclairer sur les problèmes actuels, les gens ne savent absolument pas et l'école ne leur dit pas ça. Parce que les instituteurs et même les professeurs du second degré sont mal formés pour pouvoir enseigner à notre jeunesse, justement, des questions d'anthropologie, des mémoires collectives anciennes qui ne sont pas encore intégrées dans la mouvance arabe, en termes de logosphère arabe, ni non plus intégrées dans la pensée islamique, qui est extrêmement complexe, extrêmement ramifiée dans ses développements et ses écoles. Et tout cela, malheureusement, n'est pas expliqué. Monsieur Harkoun, donc, dernière question. Des perspectives, peut-être, pour Uzkeil Han. Uzkeil Han, Inch'Allah. Le Brasiakou. Lakin l'umour ward. Mazal l'umour ward natash. Harkoun Mohamed, mani a stamour tel qbaïd, on est mou. Si on est ouel, chadine. ثمرة القبائل. إيه ثمرة القبائل نشتاقيت. ولكن القبائل مازال والسنة لا. ثم شاهد سنسن. أم سلام. ثم شاهد سنسن لثمرة الجزائر لثمرة. دمزغة. لاميديتيراني وي. Toute la Méditerranée, mais aussi l'ensemble de l'espace maghrébin par rapport
à l'ensemble de l'espace arabe, arabophone. Parce qu'il y a des liens très forts. Il ne s'agit pas de les voir aujourd'hui divisés, ça n'est pas possible. Ils interfèrent, ils interagissent, et il faut donc les connaître en tant qu'interaction. C'est ce que j'ai fait moi. Moi, ma vie, c'est ça. Je ne renie rien de mes attaches, mais je mets mes attaches à leur place. Et je tiens compte de ce qui est advenu, de ce qui est arrivé dans l'ensemble, pas seulement de l'Algérie. L'Algérie, je ne peux pas la détacher de l'ensemble maghrébin. Parce que le sentiment nationaliste, après les indépendances, a construit là aussi des cloisons. Mettre des cloisons entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ça n'a pas de sens. C'est invivable. Invivable. Maintenant, si on voit le fait qu'Ouvaïlis, Ouvaïlis, c'est le code de déontologie, c'est la culture, l'identité, c'est la guerre. Ah ouais, maintenant, c'est Ouvaïlis. Ouvaïlis, avec tout, hein, l'identité, la culture, le code de déontologie kabyle, etc. لكنه ينصن ذا تقبيلي نصن تقبيلي سلمت معمر يهدر تقبيلي يهدر تقبيلي ولكن يهدر تقبيلي جيون الوقت زمرن مدن أبهدرن ألف الأمور نسن سننتن لن ووالن باش نسمين ستقبيلي ثلو زمر دارا أتهدر ألا دي الأمور نانكوني لازم تأتهدر اشو ليس دون دي دونيس دونيس مرة قد دونيس مرة امسات سميض سيوث اللوعة ورث في دارة الدنيا مرة على خطر ورث لكل اللي يظهر ورثسال تكذابني اللي يظهر إنيا كو لا تراديشن أورال Et là, c'est très difficile. C'est à construire. Je ne dis pas que c'est impossible ou que c'est mort. C'est à construire, mais cette construction demande des engagements qui, dans l'état actuel des choses, malheureusement, sont difficiles à tenir. Mais ce Mohamed Darkoun est un intégré. Oui, regarde, c'est qu'un certain nombre de personnes qui sont venues à l'école. Eh bien, il faut qu'il se mette au boulot, il faut qu'il se mette au travail, c'est-à-dire au travail pour apprendre eux-mêmes et pousser leurs enfants à mieux connaître leur pays, tout leur pays, et ce qui entoure leur pays. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ce qui entoure le pays, c'est le Maghreb d'abord, et ensuite le monde arabe. Il y a des cercles concentriques. Par exemple, Amphia Denis travaille les cercles concentriques. Mais ça, même en arabe, il y a cette difficulté. Je parle en arabe, mais quand je parle en arabe, quand je dis par exemple le mythe en arabe, on l'appelle Oustora en arabe, c'est une traduction totalement fausse. Alors chaque fois que je fais une conférence en arabe, j'ai besoin de dire mythe, parce qu'on ne peut pas se passer du mythe. Mmh. Il est dans toutes les sociétés, toutes les cultures. Quand je dis mythe, je m'arrête. Et je passe 10 minutes, 15 minutes, ça dépend du public, expliquer. À expliquer ce que c'est que le mythe. Sinon, personne ne comprend. Mmh. Et Cheikh Al-Ghazali, Mohamed Al-Ghazali, il est mort maintenant, il disait, il est mort. على خاطر الناس مهم لاكون يريوت ينبوا في القران ان لو كوران ات ان ديسكور دو ستركتور ميتيك ترجمتي تستعرف القران خطاب اسطوري البنيه مي قرا محمد الغزالي الجمله كان استعرف انك سي فيني كنذكر بون مي فونيت pas le seul, même alors que c'est faux, d'ailleurs. Alors que c'est une traduction fausse, c'est parce que l'arabe lui-même ne dispose pas du langage moderne. Donc nous, les Kabyles, nous vivons à une faiblesse à 2 degrés. Le fait d'aller à l'arabe ne nous libère pas. Donc
Et le fait de rester uniquement dans le Kabyle nous met dans une situation encore plus difficile. Donc il faut connaître les deux et connaître les langues modernes européennes. Au moins deux. On n'a pas le choix. Eh oui, Sgnizis, néerlandais, arabe. Eh bien, exactement, voilà, c'est ça. تمني غادي لينا تصل تصل قبيلك قبيله ديك كنا كنا نحفظوا اللغات اظهر انك كاين كاين لها تولدني تسقم ان شاء الله ما اسمح مباركون يكرديه قتياني ثوريث ميمونك سكواس 28 يتشارم طمزين اغرم طمزين سكسو طمزين سكسو طمزين دكتور اونس لاتر بلا سقيم بلا سقيم professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris-Tarouan. Ernu Dehanel enseigne à l'Institut of Ismaili en Angleterre. Ernu Dehanel à l'Université des États-Unis Princeton, Philadelphie. Donc, est-ce qu'il y a quelques Qbaili qui s'est bien... Eh oui, mais Dieu merci. Parce que le Qbaili, il y a quelqu'un d'Al-Hamdi-Dunis des États-Unis, le Japon, l'Aria Pris-Dunis, ou la Quintamour-Sendasoural... وذنين فان تموت أثنان ذي برا ولحديث دي الموت وقيد أولا انتقارا خليني ثاني ميرت ميرسي بوكو ميدو سيدا الساقيم نتمنى كيد نويتك التنظام إن شاء الله ذي تسجلين ديه دون دنوية أولا غف بست مسالة دنوية أولا المسور لوسيان بغوس يخمن غف سقبايلي سطاس غف إمارات نعرم إن الشيخ من غف سقبايليت إفاديون وذي استقري يجي ثمورث إمازيغان تير كابيل سيانا البون فوتو غف ثمورث القبايل قسقوسن 30 سيدي فوتو دارشيف إفاد غار زريين إبيس باريس أكو دعنا دنويا نولا غف إسي سور لا ليتراتور دي بربر أونغي باسي بلمان تسو دعنا الشيخ محمد السوف الفكران بفريد فروخ دنويا نولا فلاس دي سيلين دهدون أكان يدنا نبوي دوال ولما استوزل الناس محمد عركونا ونينيا أرثيكل تنظام